Pour ce jeudi, dans le tutoriel vidéo de la semaine, nous allons regarder l'éditeur Behover qui permet de gérer le comportement dans le plugin Golden Crown, le gestionnaire de foule, plugin de Maya 2017 ou 2018, la version de Golem étant la version 6 ici que l'on va utiliser. Donc on va regarder donc les possibilités et le fonctionnement de base donc de cet éditeur qui nous permet donc de pouvoir poser des comportements et des actions sur une foule ou sur plusieurs foules que l'on peut combiner ici. Donc on a ici donc plusieurs mouvements qui sont réalisés par les zombies à partir donc d'une situation. On va pouvoir donc mettre en place donc différentes actions. La première ici, c'est le déplacement vers une zone prédéterminée, comme on va le voir. Et ensuite, à partir du moment où cette zone a été atteinte, ils se mettent en position statique et ensuite ils se mettent à crier, à se comporter de manière bizarre dans tous les sens pour terminer. Donc, regardons cette mise en œuvre ici de cette scène. Donc, on va reprendre depuis le début de la création donc de la foule de zombies ici. Donc, on a préparé notre personnage zombie. Alors, on n'a fait qu'un exemplaire. On n'a pas changé ni sa morphologie ni ses vêtements. Ça, on l'a vu dans d'autres tutoriels. On pourra le revoir éventuellement. Donc, on va charger donc ici avec donc l'icône Open Character File ici notre zombie. Voilà. Et puis on va charger donc le shader dans lequel il se trouve. Blin, on va prendre, voilà ici. Alors maintenant on peut prendre des shaders de différents types, puisqu'on peut utiliser différents types de moteurs de rendu, Arnold, V-Ray, Mental Ray, et puis d'autres moteurs de rendu encore. Ici donc on a notre zombie qui est de taille légèrement différente. Par rapport à la scène qui est énorme même. Et donc on va venir le mettre donc sur un layer, create layer from selected, ici, unselected, voilà, hop. Et on va donc venir dans entity type, ici, entity type. OK, réduire la taille. On va prendre 0,01, ici, et puis 0,01 à même échelle. Scale min et max ici pour définir donc la taille de l'élément, donc ici entity type shape 1. OK, et on va pouvoir donc créer une population ici en venant cliquer donc sur l'icône de création de population. Par défaut on en a ici quelques-uns. Alors avant de faire ça, on aurait pu donc définir, puisqu'on va en avoir besoin, définir le sol ici qui est sous-jacent, hop, le voilà. Je le redescends légèrement pour le cacher dans le décor et comme élément de navigation, ici donc NavMesh Creator. OK, on sauvegarde et au niveau terrain, voilà. OK, donc on a les contours de navigation ici. À partir de là, eh bien, on va créer donc voilà les éléments ici. Donc on va en mettre une douzaine. OK. Ici que l'on va donc écarter. OK. Vers l'extérieur. OK. Donc on revient sur population ici, pop tools, pop tool shape, donc 12. Donc distance, alors on peut mettre du noise ici pour les faire bouger. OK, on va se mettre en mode 4 pour voir, puisqu'ils sont certains sont cachés par le décor. Voilà. Donc l'idée c'est de les écarter et puis de faire revenir donc au centre les zombies. Donc ici de plus ou moins donc écartés. Par rapport à la zone de navigation ici. OK, distance, voilà, on peut encore. OK, voilà. OK, à partir de là,
Donc on peut mettre un peu de noise, on peut breaker donc ici le noise X, break connection, noise Z, pardon, si on veut faire varier donc au niveau du Z de manière indépendante, l'orientation éventuellement au démarrage, ici, et puis on fait create. Ok. Voilà, on a nos personnages, nos zombies ici, qui sont représentés, et on va venir donc les déplacer vers une zone que l'on va définir. Donc c'est une target que l'on va créer ici. On a l'icône target. Ok, je clique sur target ici. Ok, slot, on va en mettre 12 de la même manière ici. Et puis on va venir donc les regrouper un peu plus au centre. Faut pas cliquer sur create ici. On va juste un peu donc et radius un peu pour écarter et voilà. Par exemple, avec du noise éventuellement pour changer. Et puis on peut changer éventuellement donc ici le nombre donc de peut être 6, 6, on peut jouer sur ces paramètres-là, de colonnes et de rows ici, et puis de donc de distance, voilà, pour obtenir ce que l'on veut exactement. On a une autre solution aussi, donc c'est de venir donc peindre. Alors target ici, on peut utiliser donc l'outil paint. Ok, donc l'outil paint ici, à côté de la création donc de population, et on a l'outil paint. Il faut sélectionner un sol. Il faut bien que ce sol soit donc frisé, frise transformation ici, et on clique sur New, et on a une nouvelle population, et on va alors selon la densité de la couleur ou de l'opacité, créer plus ou moins voilà, d'éléments, et on va pouvoir les positionner. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir aussi donc voilà, en rajouter ici, et venir surtout aussi enlever certains qui sont peut-être trop proches. Voilà, puis garder les éléments que l'on veut, qui sont un peu plus distants et positionnés exactement où l'on veut paint, ici. Voilà. Ok. Ok, donc ça nous fait une deuxième population ici. Pop tool 2. Ok. Ok, maintenant que ceci est en place, on va commencer donc à regarder l'éditeur Behover. Donc on clique sur l'icône ici, donc qui nous permet d'ouvrir donc l'éditeur Behover. On va cliquer sur Entity Type Shape et on a au début donc dans l'éditeur, dans l'aire de travail, de construction des nodes, deux points, un point de départ, une flèche et un point d'arrivée. Donc c'est la ligne ici de direction, donc de lecture des nodes, du temps on pourrait dire, ici, que l'on va donc pouvoir mettre en place. Donc une des premières choses que l'on peut faire assez facilement de manière classique, c'est utiliser donc la navigation vers une cible. Donc on va venir donc déplacer, enfin, où les différents personnages donc, de la foule vont se déplacer vers une cible de manière donc programmée. Avec différents moyens. Donc ici, on va venir donc utiliser les premières icônes de Behover. Donc on a sur le côté donc la librairie des différentes icônes, enfin des différents nodes, pardon. On a tous les comportements donc Behover ici dans la partie supérieure. On a les opérations que l'on peut faire sur ces comportements, donc que l'on peut associer, regrouper, mettre en parallèle ou les uns à la suite des autres. Et puis dans la deuxième partie base donc de cette librairie, on a ce qu'on appelle les triggers, triggers ici, qui permettent donc de mettre des conditions sur l'input/output, donc l'entrée ou la sortie du comportement. Ça veut dire quand on enclenche ou on arrête donc le comportement. Donc ici, on va de manière assez classique donc créer un opérateur de type parallèle. Donc on prend ici un opérateur de type parallèle, voilà.
Et cet opérateur, on va l'utiliser de type parallèle parce qu'on veut, comme son nom l'indique, mettre en parallèle différents comportements ou actions. Donc la première, c'est ici donc le comportement de navigation qui va donc permettre de lancer, je dirais, donc dans une zone définie justement par le rectangle rouge ici, le périmètre rouge qu'on a défini comme terrain de jeu, je dirais, de nos zombies, eh bien, va permettre donc d'animer ces personnages. Alors ces personnages vont pouvoir s'animer, par exemple, pour aller dans une direction. Pour ça, on va prendre la première icône de comportement ici, Behover, la mettre, venir la glisser ici quand le parallèle est allumé, relâché, et on a donc ici le comportement go to shape, donc go to, aller vers une cible ici. Et donc on va commencer à paramétrer ce premier élément ici, go to shape. Ok, donc pour ça, hop, je quitte l'éditeur, on l'active. Alors ici, on a l'ensemble des scènes nodes que l'on peut retrouver. Hein. Donc on peut cliquer dessus ici. On va quitter donc à venir dans l'attribut editor. Ici, et on retrouve le go to shape. Donc si on lance ici donc l'animation, bon, on voit que les personnages glissent, hein, pour l'instant ils se déplacent. On mettra donc un cycle de marche de zombies ici. Et en fait, on est dans le mode target mode de GoTo, du comportement GoTo dans le shape ici, en mode random target in environnement. Donc une cible aléatoire est cherchée donc, pour chaque élément de la foule et cet élément, donc ce personnage, va aller donc va aller vers cette cible-là. C'est pour ça que les personnages se déplacent dans toutes les directions ici. Donc on va changer de mode, on va prendre donc le Use Target Pop Tool ici, Population Tools, et venir sélectionner donc le Pop Tool Shape 2. Le Pop Tool Shape 1, c'est celui que l'on a créé pour générer donc les différents personnages de la foule, différents zombies de la foule ici. Et le 2, c'est celui qui est au centre qu'on est venu peindre et définir les différents éléments. Et on vient ici, on définit by ID ici, ça veut dire que chaque numéro donc, de la première population, donc shape 1, sur laquelle on génère les zombies, va faire correspondre donc la population shape 2. Comme target pour aller donc à la cible. Et donc là, les éléments vont essayer d'aller donc se positionner, voilà, sur les différents éléments. Donc ça, c'est assez intéressant pour reconstituer une foule rassemblée ou écartée ou venir mettre en ordre de marche des soldats, des choses comme ça qui sont éloignés, écartés les uns des autres. Ok. Donc ensuite, ce que l'on va faire, c'est qu'on va mettre en place donc ici un mouvement, donc un locomotion, un bilocomotion ici, shape, qui va donc lui définir le mouvement que vont avoir les éléments ici, les zombies, pendant leur déplacement. Donc ici, on se retrouve à créer donc dans ce locomotion shape un clip un motion clip. Donc il y en a un qui est créé par défaut et on va aller donc chercher un fichier de mouvement ici motion file que l'on aura préparé par ailleurs sur un personnage. Donc ça c'est la préparation que l'on a faite avant, que ce soit donc l'habillage donc du personnage comme on a dit, qui pourrait être habillé de différentes façons. Toutes les actions qui pourront réaliser, les actions donc motion qui pourront être réalisées. Ici, on en a toute une liste ici. Et on va prendre walk, donc zombie, par exemple, et on fait open. OK, donc on se retrouve avec le cycle de marche zombie ici. OK, et quand on relance, voilà ce qu'on obtient. Donc ici, se mettre en position zombie. Donc il faut venir maintenant donc sur
revenir sur le GoToShape. Donc on revient sur le GoShape ici et on peut régler donc le Target Reach Threshold ici, qui est une valeur de 0,1 par défaut. Donc plus cette valeur sera faible, plus les éléments iront se positionner exactement donc sur la position donc de la cible, et plus on va agrandir donc cette valeur-là, augmenter cette valeur-là, plus on aura donc des éléments qui se seront positionnés approximativement donc par rapport donc à cette cible-là. Alors, autre élément à prendre en compte pour réussir à peu près donc avoir une animation correcte, c'est deux choses. Okay, on va poser ici. C'est sur le navigation, donc navigation ici. Régler d'une part, je vais venir ici resserrer, régler d'une part la vitesse, speed win, min, navigation speed, pardon, min et max, 0,8, 0,9 par exemple, que j'ai réduit par défaut c'est 1, 1,4, et rééquilibrer avec donc la vitesse donc du motion shape ici, du clip qui est joué. Si on a un décalage, un glissement donc du cycle de marche par rapport au déplacement donc de l'élément, il faudra rééquilibrer de telle manière que on ait un cycle de marche qui suive bien entendu le déplacement du corps du personnage du zombie ici. Donc j'ai augmenté la vitesse ici 3,5 à 3,7 ici, de telle manière que on ait quelque chose d'à peu près correct en termes de déplacement et cycle de marche. Ok. Donc voilà pour cette première partie. On va venir poser juste pour continuer un peu et montrer ce que l'on peut donc réaliser ici. On va donc ensuite, on voit que les personnages, les différents zombies s'arrêtent, se positionnent tous de la même manière. Après avoir atteint leur objectif, paf, ils se retournent, voilà, plus ou moins rapidement ici, les derniers arrivant ici. Et on va donc venir créer donc une condition pour que ceci se réalise. Donc hop, je prends ma deuxième branche ici que j'ai créée. Donc ce que l'on va faire ici sur le mode parallèle, c'est venir définir quand on quitte ce mode parallèle. Donc on a exit mode ici, la possibilité, on a trois possibilités. On va choisir la seconde qui dit que dès qu'il y a un des éléments qui a été réalisé de comportement, donc ici un des trois, eh bien on sort donc du système, enfin des parallèles ici, des comportements qui sont dans la parallèle et qui sont en parallèle ici. Donc en fait, le Go to Shape va être réalisé dès que tout le monde sera positionné sur son target, et donc à ce moment-là, on sortira donc de ce système parallèle pour attaquer un deuxième système parallèle que j'ai mis en place. Donc ici, on va le refaire. Je supprime les deux, et on a donc recréé un parallèle ici, et on va prendre donc une orientation. Hop, on le met ici. Et on va prendre donc une action, c'est motion shape. Donc l'orientation, ça va permettre d'orienter donc l'ensemble de nos éléments ici. Donc on va venir pour ça utiliser donc un locator. Donc on va faire create locator ici. Voilà, on a un locator. On revient hop, sur l'orientation. Donc on nous le groupe Behavior ici. Ok, c'est l'orientation 8 ici que je viens de créer. Je prends mon locator, l'orientation 8 ici, et je mets alors dans le mode, ici orientation mode simple ici, forward up vecteur. Je vais donner la direction donc forward pour l'ensemble donc des éléments. Je viens ici dans le panneau forward, fixed value ou locator ici. Donc je peux très bien fixer une valeur en x, y, z ici, ou le locator ici. OK. Et je mets locator. Et comme mon locator est sélectionné aussi, je fais map et locator shape 3 vient ici. OK. Reste à savoir où se trouve donc ce locator à la création. Voilà. Hop, il est ici. On va venir. Hop,
donc le mettre là. Et dans ce cas de figure, normalement, donc, ok, on va le positionner ici. Ok, voilà. Et pour le motion que l'on a mis en place, le clip, on va faire donc un standby, un clip donc d'un sur place ici. On va prendre Zombie 2. Voilà. Ok. On rebobine et on lance. Ok. Donc les zombies arrivent donc sur zone, on va dire, se positionnent sur les différents éléments ici, de manière plus ou moins rapide, selon la distance où ils étaient, bien entendu. Si on revient sur le node d'orientation, comportement d'orientation, à la place de locator, on peut choisir donc valeur fixe. Si on met moins 1 ici, on va orienter donc par rapport à l'axe X les différents zombies au moment donc, où ils vont arriver sur leur cible. Hop, ils vont se tourner à ce moment-là en moins 1, qui va être l'opposé de tout à l'heure. On regarde l'axe de l'univers X, il est tourné donc vers la profondeur ici, et moins 1, donc c'est vers la caméra ici. Donc on a les zombies qui se tournent de ce côté-là. Donc on pourra rentrer des valeurs ici dans le forward vecteur. Le up vecteur, le Y est 1 vers le haut, de telle manière que les zombies restent droits sur leurs pieds. Ok, donc voilà ici donc une première mise en œuvre. Et on verra donc dans les prochains tutoriels que l'on va pouvoir continuer donc ensuite à créer par exemple un motion shape qui animera selon certaines conditions donc l'ensemble ici des zombies que l'on commence à mettre en place au milieu de notre scène.